Dès le début, j'ai dit au pape qu'il fallait accepter ma démission, parce que c'est une horreur, la pédophilie, quand c'est les profs de musique, les profs de sport dans les familles et tout, mais quand c'est un prêtre, c'est révoltant. Donc j'ai dit au pape, bon ben voilà, un prêtre a fait ça dans mon diocèse 15, 20 et 30 ans avant mon arrivée, c'est évidemment pas de ma faute, je pouvais pas l'en empêcher d'abord, parce que je connaissais pas ce diocèse et j'avais jamais mis les pieds, mais que symboliquement, on dit c'est un grand scandale, et l'Église, c'est-à-dire des hommes de l'Église se sont comportés de manière affreuse, et ben c'est vrai quoi. Alors, quand c'est arrivé à un instituteur, il n'y a personne qui va demander la démission de l'inspecteur d'académie ou du recteur ou du ministre de l'Éducation nationale. Mais les gens, ils disent non, l'Église, c'est pas pareil. L'Église, c'est une double trahison, si vous voulez. Et bon, ça arrivait dans tous les milieux, dans le sport, dans l'armée, dans la gym, dans la musique, enfin, dans plein d'endroits. À chaque fois, j'espère qu'on condamne les coupables. Mais on ne va pas aller chercher les responsables. Et à l'intérieur de l'Église, si. Je ne sais pas, plusieurs fois, il m'a dit ça, il m'a dit, mais toi, t'es pas coupable. Et j'ai dit, ouais, mais il faut accepter ma démission. Parce que le scandale est beaucoup plus grave, beaucoup plus profond. Ces gens-là sont chargés de mettre en contact avec Dieu. Et au lieu de permettre l'épanouissement spirituel de quelqu'un, ils commettent des crimes contre eux. Donc c'est scandaleux pour tout le monde, attention, hein. Mais je comprends la révolte encore plus grande. Donc il faut qu'il y ait un cardinal qui paye, puis c'est tout. Alors la justice a dit non. La justice a reconnu que j'avais jamais fait obstacle à la justice. D'ailleurs, celui qui m'a traduit en justice, il y avait une lettre de lui. Et il dit, je vous remercie parce que heureusement, vous m'avez toujours encouragé à aller porter plainte devant la justice. C'est lui qui l'écrivait. Du coup, à la cour d'appel, ils ont dit, bah, on ne peut pas dire que le cardinal Barbarin a fait obstacle à la justice, puisque c'est même une des personnes qui l'accuse, qui le remercie. Bon, mais est-ce qu'il fallait que je quitte ma charge? Oui. Pourquoi? Parce que c'est des prêtres qui avaient fait ça. Et le lien entre un évêque et les prêtres, ce n'est pas un lien de l'administration française entre le recteur, le directeur d'école ou l'instituteur. Ce n'est pas une administration. Et donc les gens étaient scandalisés, et moi je comprenais qu'ils étaient scandalisés, c'est vrai.